Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul tissu. Je vous avais parlé que j'avais fait une commande au mois de juin, le 16 juin de... comment dire, sur The Fabric Baron, avant que ça ferme le 31 décembre si je me souviens bien. Et du coup, bah en fait, je vais vous présenter les tissus que j'ai reçus. Qu'est-ce que je voulais dire, ça a mis un petit peu plus d'un mois à arriver, donc ça reste raisonnable, hein. Parce qu'il y a eu une période apparemment où c'était vraiment un gros délai, hein. Il y a des gens qui ont attendu jusqu'à 3 mois apparemment. Donc alors, hop, j'avance tout. Donc j'avais fait une commande de plusieurs coupons de tissu, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coupons de tissu que j'avais commandé au mètre. Donc à chaque fois il me semble que j'en ai pris 2 mètres, c'est ça. Et après j'ai commandé une box lin surprise et j'ai pris aussi une surprise box de printemps. Alors je vais vous dire, la box de lin, c'était je l'ai acheté 19,79 € TTC, et la box surprise de printemps, pareil, 19,79 € TTC. Donc, comme ça, on va commencer par les coupons au mètre. Le premier coupon que j'ai acheté, c'est un lin marron. J'en ai pris donc 2 mètres, c'était en hors-taxe 3,31 € du mètre, et en TTC ça m'a coûté du coup pour les 2 mètres 7,93 € pour du 100% lin, ça va. Donc c'est un joli marron chocolat. Hop. C'est un joli marron chocolat. Hop, voilà. Que j'aime beaucoup, et je pense m'en faire un pantalon pour la mi-saison. Vous allez voir que c'est quand même des couleurs un peu plus mi-saison, voire qui passerait pour l'hiver, donc que j'ai prise. Hop, donc voilà. Après, il y avait du tissu spandex. Je vais y arriver. Mat noir, c'était, j'en ai pris 2 mètres, c'est pareil, c'est pour faire des maillots de bain. Alors je sais pas, oui, ça, je sais pas si je vais, je savais pas trop ce que c'était, je me suis dit si je peux faire des maillots de bain avec, ce serait cool. Ça m'a coûté les 2 mètres TTC 7,93 €, c'était 3,31 € hors taxe le mètre pour ce tissu. Donc c'est assez épais, hein. Écoutez, hop, c'est bien extensible dans les deux sens. Voilà, hein. Voilà, tous les coupons de tissu, ils ont leur petite étiquette dessus. Ensuite, le troisième tissu, il se trouve où? Je suis en train de le chercher. Parce que ça, c'est quoi? C'est la référence 01830.
Ah voilà. Alors, je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que c'est comme, comme tissu. Mince. C'est pour faire un pantalon d'hiver. Oui, il est un peu à chevron. Je sais pas si. Est-ce que. Ouais, voilà, là vous voyez mieux. Il est dans les tons marronnés. C'est pour faire un pantalon de ville. Je sais pas, vous voyez, il est assez fluide. Une épaisseur normale. Du coup, ça m'a coûté 2,48€ du mètre et en hors taxe aussi, 5,95€ TTC pour 2 mètres de tissu pour faire un pantalon. Voilà, c'est imbattable. Hein. Troisième tissu que j'ai pris, donc c'est pareil, c'est la même. Alors ils appellent ça Ering Bone Fabric Light Brown. Donc c'est encore. Donc je sais pas ce que c'est. C'est pareil, c'est le même style que l'autre, sauf que c'est en marron. Voilà. Donc j'aime beaucoup aussi le tissu. Il y a un peu d'élastane dedans. Regardez. De l'élastane de confort. Mais assez épais, donc pour l'hiver. Ça peut faire un chouette pantalon d'hiver pour aller travailler. Je sais pas si vous avez la. Ah, peut-être mieux là. Ça fait deux teintes de marronné. C'est joli. J'aime beaucoup aussi. Je suis contente. Je suis satisfaite de ma commande générale. Hein, de toute façon. Le tissu suivant, c'est du jean stretch smooth de denim blue. La référence c'est 809 31 23, j'en ai pris 2 mètres aussi, 3,31€ le mètre quoi. Ça me fait 7,93€ pour 2 mètres de tissu en TTC. Voilà quoi. C'est du jean foncé, hein, je voulais. Voilà. C'est vraiment un denim très foncé. Au niveau de l'élasticité, voilà, c'est du confort. Hein. Voilà, le jean, j'en suis très contente, je le trouve très beau. Tissu suivant, c'est de la gabardine. J'ai pris de la kaki pour me faire un pantalon en gabardine kaki, 2 mètres aussi, 3,31€ du mètre. Ça m'a coûté 7,93€ pour les 2 mètres. Elle a l'air assez. Un peu plus épaisse que. Ouais. Elle est un peu plus épaisse que la gabardine de chez DS. Je trouve. Et voilà. Voilà. Donc pour cette. Et la dernière. Le dernier tissu que j'ai commandé. Un natural lin lavé de The Fabric Baron. Là, j'étais un petit peu déçue. Alors, oui, dans le fait qu'il est, vous voyez, très raide. Alors, ils n'ont pas lavé encore. Peut-être qu'au lavage, je vais surfiler les bords et je vais le laver parce que là, ça fait un peu plus tôle de jute que lin lavé pour moi. Donc, à voir une fois. Après la couleur j'aime beaucoup, c'est du lin naturel, mais je le trouve un peu rêche. Donc voilà, on voit bien hein, de toute façon qu'il est rêche. Donc lui, 2 mètres aussi, 3,31€ hors taxe le mètre, ça m'a coûté 7,93€ pour les 2 mètres. Et j'ai encore un coupon que j'ai pris au mètre. Je sais pas, ça doit être une viscose, je sais plus. C'est pour faire, je pense, une petite chemise. C'était l'interruption café. Donc là, j'en ai pris aussi 2 mètres, mais je sens qu'il y a un peu de synthétique hein, dedans. Au toucher. J'aurais voulu voir pour faire une petite chemise
Il est un chouïeux, ouais. Ça, c'est l'endroit peut-être plutôt. Voilà. Et il est un peu extensible, un petit peu dans ce sens-là et dans le sens de la lèse, un peu aussi. Donc, assez fluide aussi. Donc ça, c'est plus pour homme, faire une petite chemise pour mon beau-père. Donc c'était 2,48 hors taxe du mètre. Moi, j'en ai pris 2 mètres et ça m'a coûté 4,96 €. Donc c'est pas... Ça vaut vraiment le coup, hein. Ça valait vraiment le coup. Allez, on va passer à la box surprise là. Je vais couper pour ranger tout ça, pour pouvoir vous montrer la petite box derrière. Voilà. Comme vous aurez remarqué, j'ai quand même pris beaucoup de choses unies. Et des tissus un petit peu plus pour l'automne, hiver. Donc là, on attaque la box lin. Donc il y a plus... Je sais plus combien ils annonçaient de coupons dans la box. Ah, j'ai pas mon téléphone. C'est pareil, je vous mettrai... Alors, pas pour les box, parce que je sais pas, mais pour mes coupons que j'ai pris au mètre que je viens de vous présenter, je vous mettrai les numéros de référence quand je vais au montage dans un petit encart. Allez, la box lin, du coup, le premier coup, je crois que c'était combien? 1, 2, 3, 4, 5, c'était 5, c'est ça, 5 coupons de 2 mètres, il me semble, si je me souviens bien. Donc le premier, je pense que c'est un lin mélangé. Je pense pas que ce soit juste un 100% lin. Ça me paraît... il est un petit peu à chevron. Hop, c'est de ce côté-là. Et il est un petit peu texturé. Je sais pas si vous allez voir. Là, oui. Donc voilà, j'en ai du coup 2 mètres normalement. Et voilà, il a de la tenue, il est quand même assez épais, hein, on ne voit pas à travers, je vois pas la caméra, moi en tout cas. Mais voilà, il est très joli. J'aime beaucoup ce coupon déjà. Puis c'est un bon point qu'il soit. Voilà. Premier coupon. Le deuxième coupon, c'est un lin kaki qui est un petit peu plus souple. Est vraiment hyper doux, j'aime beaucoup, je le trouve un petit peu brillant, une certaine un peu brillance, mais il est magnifique, il est hyper doux et vous voyez il est un petit peu plus fluide et vraiment voilà, ouais, on voit bien quand même. Voilà, magnifique, j'adore. Le prochain coupon, c'est pas une couleur que j'aurais acheté si c'est moi qui avais choisi, mais c'est une jolie couleur et je verrais bien une veste dedans. Donc à voir. Donc il est un peu, il est assez épais hein, celui-ci, un peu plus épais que le kaki. Il est un peu dans la même texture que le lin que moi j'ai acheté, mais il est moins rêche, il est plus doux celui-là. Donc c'est un peu un fuchsia, rose fuchsia quoi. Mais j'aime beaucoup aussi. Vous voyez, il est assez épais aussi quoi. Je veux dire. Transparent quoi, vraiment très contente des coupons de lin, parce que là pour le prix, quand on sait le prix d'un coupon de lin, alors l'autre c'est un marron et il est rêche comme le, exactement de la même texture que celui que j'ai là-bas.
voyez, avec on voit un peu plus à travers celui-là. Il est vraiment un peu plus... Bon bah ça se froisse, hein, vous voyez, hein, c'est du lin, hein, c'est un 100% lin à mon avis celui-là. Donc, j'espère qu'ils vont se détendre un peu, parce que là, je vois pas trop ce qu'on peut faire quand c'est comme ça, épais, et puis... Donc c'est un marron camel un peu, c'est camel, celui-ci. Hop, et le dernier de la box lin que j'adore aussi, c'est celui-ci, en naturel, qui est... Vous entendez Vadrouille qui... Là, il aboie après Rio. Parce que Rio, il en a marre de jouer. Donc, en fait, il se fait engueuler. Voilà. Et celui-là, j'adore aussi. Donc, verdict. Pour moi, la box lin, voilà, je la valide à 100%. Quoi. Je regrette pas de l'avoir prise. En plus, c'est désuni. Donc, voilà... vraiment l'idéal. Non, vraiment, il y a plusieurs textures différentes de lin et vraiment voilà quoi, je peux que vous dire moi j'en suis vraiment ravie. Celle-là, foncez. foncez. Donc je reviens, je vais prendre la dernière box pour vous la présenter. Alors la dernière box, c'était une surprise box printemps. Du coup, elle était hors taxe à 16,49€. Donc en TTC, je l'ai payé 19,79€. Le montant total de ma commande, je vais vous le dire, hein, c'est 111,10€. Pour toute cette commande, je trouve que c'est quand même assez raisonnable pour les qualités de tissu que j'ai eu. Donc on est parti pour la surprise box. Premier tissu de la surprise box. Du coup là ça va être compliqué pour moi de vous dire exactement ce que c'est comme tissu parce que bah, y a pas les... Alors ça c'est extensible, c'est assez épais. Je vois bien une petite veste là-dedans. J'ai une petite idée. Mais c'est plutôt une veste printemps, donc ce sera plutôt pour l'année prochaine. Là. Donc là, elle n'est pas extensible, et là, c'est extensible. Dans le sens inverse de la laine. Il est un peu gaufré, le tissu, mais j'aime beaucoup les tons. Donc moi, je pense que je m'en servirai dans ce sens-là pour faire une petite veste. Je verrais bien une veste un peu veste en jean pour ça un peu typé veste en jean. Vous voyez, elle est bien extensible quand même. Et là, pas du tout. Et là, dans ce sens-là, un tout petit peu, mais très très peu. J'ai pas mis les. Mais j'ai pas envie de compter. Normalement, c'est pareil. C'est, je crois que c'était environ 1m50, 2m. Je vous le mettrai là, j'irai revoir quand je ferai le montage et je vous le mettrai en bas. Deuxième tissu, pour moi c'est une gabardine de coton. Allez, jaune, très très jaune. Remarque, ça va bien avec le... Pour faire une petite jupe en jean, la prochaine box, dans la prochaine box des bobines, il y a donc la veste en jean et la jupe. Ah, je suis trop contente de cette jupe, j'adore. Et je verrai bien cette petite jupe dedans, dans cette gabardine. Un pantalon, je ne l'assumerai pas, mais pourquoi pas une jupe. Les gabardines sont très jolies. Un peu d'extensibilité en l'aise, et de l'autre côté, pas du tout. Elle est, non, elle est douce, un peu brillante. Ouais, vous voyez bien, un peu brillante. Mais elle se tient bien. Mais voilà, j'aime beaucoup. Je valide aussi. Troisième coupon, je sais pas. Alors, c'est pas du jean pour moi. Ça ressemble à du jean, mais c'est pas du jean. Hein. C'est fin. Peut-être un... Oh, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un petit peu plus clair que... Ouais, c'est plus... Mais assez fin, fluide.
un peu de texture aussi. Ouais, vous voyez bien là. Donc ça c'est pareil, je suis contente de ce petit coupon pour en faire quelque chose. Oh, un autre coupon que j'adore, je ne sais pas non plus ce que c'est. Ça serait bien à l'en mélanger. Dans des tons que voilà que moi j'aime. Donc voilà. Un peu c'est pareil, il y a des. Il est texturé aussi, on voit des. On voit les. Il y a un peu des petites rayures ou je sais pas comment expliquer. Mais très douce aussi et beige, moi c'est une couleur que j'aime, donc parfait. Le prochain tissu, oh, c'est un coton, tout simple, petit carreau, ça, une petite blouse, ça peut être sympa avec le haut, voyez, ça peut faire une petite blouse, un petit ensemble sympa. Et on passe au dernier, tissu, c'est un jean. C'est un jean comme ça, rayé. C'est un jean rayé comme ça. Bien épais. Hein. Donc, vous savez, si vous n'avez pas envie de vous servir ou faire un mix des deux pour faire une veste avec... Parce qu'on peut autant s'en servir de ce côté-là que de ce côté-là, je trouve. Hein. Oh, je verrais bien... une veste en faisant un peu avec les deux côtés du tissu. Vous voyez? Et l'autre côté, il est comme ça. Donc, bah, très contente aussi. Hein. Vraiment, je suis contente aussi de ce coupon. Ça me donne des idées. J'aurais bien... de mixer les deux, faire quelque chose en mettant des touches avec du rayé et des touches et faire si je pouvais faire une petite jupe avec ce qui reste pareil en faisant du en jouant avec les deux côtés du tissu, ça pourrait vraiment être être sympa. Donc voilà tous mes achats de The Fabric Baron. Bah moi je je suis super. Alors j'ai payé avec ma carte bancaire hein, bien entendu hein. Il n'y a pas de collab ou quoi que ce soit hein. J'ai payé avec ma carte bancaire avec mes petits sous-sous. C'est vraiment en fait je suis super contente de tout ce que j'ai reçu quoi. J'ai le petit bémol, les deux coupons qui sont un peu raides, donc on verra bien une fois lavé s'il y a un après dessus, comment ça se comporte. Et selon comment ça se comporte, je trouverai bien parce que c'est des couleurs qui sont tendances, donc je trouverai bien quoi faire. Après, c'est pareil, le jaune, ouais, je pense une petite jupe, la petite jupe de la dernière box là, des bobines, je sais pas. On verra bien, mais parce que je ne m'assumerai pas un pantalon entier, mais après avec le tissu qui reste, un short, enfin voilà quoi, ça passe. Et puis celui-là, c'est peut-être celui qui me plaît le moins. Enfin, les coloris sont jolis, c'est pareil, il va falloir que je trouve le bon projet, c'est surtout ça. Mais une veste, ça peut être avec après à mettre avec un jean ou avec un dépend. Il y a pas mal de couleurs, du marronné dedans. Donc avec un pantalon marron, ça peut redonner le petit coup de peps qu'il faudrait. Voilà, voilà. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Moi, je suis vraiment ravie de ma commande. Dites-moi en commentaire si vous avez craqué sur The Fabric Baron. Enfin, les tarifs valaient vraiment le coup, quoi. Je veux dire, là, j'avoue que moi, j'avais déjà pris des box chez eux. J'avais pris une fois une maxi box et j'avais pris, je crois, une fois une box été où j'avais eu pas mal de coupons aussi. La maxi box, j'avais eu pas mal de coupons sympas aussi. Et pour l'instant, les qualités des tissus sont là quoi. Et
c'est l'important aussi dans tout ça. Parce que faire ses vêtements, c'est bien, mais le but, c'est de les payer, c'est que ça revienne moins cher quand même que si on les achetait en commerce. Et là, avec les tarifs qui étaient proposés, là, ça valait le coup. Donc, ben voilà, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Et surtout, prenez soin de vous. Ah, bye bye!